Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. J'ai passé la nuit en off et ça y est, on va pouvoir eh bien, découvrir cette nouvelle zone. C'est parti. Donc ici, on a un réplicateur à diablotin. Ça va nous être utile, je pense. On prend les givrelins. On les fait passer là. Attends, on peut demander aux autres de casser les poubelles. Ça fera un petit peu de loot. Ça fera ça de prix. Voilà. On va emmener Kirby. Kirby se glisse. Et ensuite, on va gérer avec Wake. On va sortir de là. Alors. Un petit peu le loot. Je dirais pas le loot, c'est la vie, mais ça va bien nous aider. On va gérer ça également. C'est parfait les gars, merci. Et on va gérer ce téléporteur-ci. L'air d'avoir d'autres téléporteurs. Donc on récupère tout le monde. Et ah, Kirby récupère ces 6 là. Sauf que j'ai un peu un souci. Ce sont des givrelins, pas des. Les téléporteurs fonctionnent pas avec lui. Non. Bah oui, j'ai l'armaline, ça sert à rien. Je peux les envoyer là. Je peux les envoyer là. Je passe, je me mets là. Genre je fais ça. Donc il a l'air d'avoir une grande zone à explorer par ici. On va déjà dégager le passage pour que Wick puisse venir. Dégager là en fait. Voilà. C'est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a pris des brezelins exactement pour ça. Pour se débloquer le passage au cas où. Donc, ici. On a une putain de saloperie qu'il faut. Non! Non, mange pas notre. Tu manges pas notre chivrelin! Tu crèves! Et du coup, on va en profiter pour casser le truc avant que un autre n'arrive. Fail, fail. Mange-le pas! Mange-nous pas non plus! J'ai pas pris assez de bouffe, clairement. Mais les gars! Allez, tous à l'attaque! Tous à l'attaque! Il va nous les bouffer! Sommez-le!
Pew. Ah, le petit malin. Le petit chouin est malin. On va récupérer un petit peu de loot ici. Visiblement, il y a aussi des choses à faire par là. Ok. On va déjà faire les choses évidentes. Si normalement les choses évidentes on les fait à la fin. Deux gros globes. C'est parti. Alors déjà, vous posez les trucs. Parce que je vais prendre tout le monde. Et vous mettez tous ces blocs. Voilà. Un petit peu de loot. Alors par ici on a des petites choses à faire brûler, c'est parfait. On récupère tout le monde, on ouvre ce coffre. Ah, c'est encore un de ces coffres magiques. Je vais pas essayer avec Kirby. Est-ce que... Non, son pouvoir ne sert à rien. Alors peut-être qu'il faut faire ce genre de choses là. Non. Ok, une belle zone bien chaude. On va tout de suite casser ça. Pour se libérer le chemin. Et ici du coup on peut descendre. Je suis où par rapport à la carte? Eh ben je suis... je dirais bien trop à l'ouest. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, parce que... On y est presque. On a celle-ci du coup. Il y a quelque chose ici, et il y a quelque chose là. Ça fait quand même beaucoup de caisses. On va pas se mentir. Normalement, le chemin est dégagé. On va pouvoir y aller sans trop de soucis. Donc, il y en a une ici, aussi, je vois. Pour laquelle il me faudrait des chiffres. Non, pas moi, pas moi. Parfait, il dépose celle-là. On a quand même comme souci que ça n'a pas libéré la zone, on va dire. Je m'enfuis. Il y a toujours les braises. Il va peut-être falloir plus de braises là, du coup. Tout simplement. Ici je peux pas passer. Ici je peux pas passer. Mais on peut peut-être faire ça. Il est où le... Je veux aller comme ça. Voilà. On récupère celui-là. Oui, on va pouvoir récupérer cette caisse de cette manière. Sauf s'ils sont débiles. Ils sont débiles. Ok.
Ils font pas le tour. Donc il me faut effectivement plus de brasins. Et du coup, le dernier sur la carte était... par là. Mais la nuit est déjà en train de tomber. Sachant qu'il me faut des brasins. On va retourner. En courant. Courant et ça me trouve relatif. Au bosquet. Donc, bosquet. On sait qu'il va nous falloir 20 brasins pour s'en sortir. On va vider notre inventaire parce qu'il est bien plein. On va récupérer pas mal de choses. On pourra en profiter pour faire quelques loupiottes en plus. J'ai pas assez. Toujours pas. Est-ce que je peux améliorer mon inventaire à moi? Capacité du sac, ça pourrait être bien. Si je fais capacité du sac... Ouais, je vais faire capacité du sac. Ça va être très bien. Voilà. Hop, on va dormir. On sauvegarde. Et on est parti pour une nouvelle journée. On récupère tout le monde. Et il faut qu'on fasse éclore. Trois comme ça. Parce qu'il nous en faut. J'ai pas fait valider. Avoir validé 1, 2, 3. J'ai toujours que 17. Quelle est l'arnaque? Non, ça c'est des... Ah, avec une pinaise. Je suis en train de... créer des farfelins alors que je voulais éclore des pépins. C'était pas malin, ça, de ma part. J'ai dépensé mes sous pour rien, du coup. Alors... C'est pas malin, c'est pas malin. Surtout qu'on sait qu'on va devoir améliorer au maximum notre foyer. Du coup, ce que je vais peut-être faire, c'est ça marche. On va en faire, on va récupérer un petit peu de loot. Non, j'ai pas besoin de prendre le pont. Tu te moques de moi, toi. Merci. Non, mais sérieux. Vous n'êtes pas approché trop près, hein. Pas comme des gros débiles.
20. Voilà, c'est comme sur des roulettes. Ah, il passe par là alors que j'ai quelque chose. Passer par là. Si ça vous amuse. On va récupérer un petit peu de loot. Parce qu'on sait qu'on a un petit peu tout utilisé bêtement. Ah! Mais du coup, ça correspond à quoi cette étoile? Là, si ça correspond pas à ça. Je vais aller voir. On va aller voir. De toute façon, il faut qu'on récupère nos farfelins. Vous êtes un peu relou, vous. Mais sérieux, ils m'en ont tué un. Ils m'en ont tué deux. Précisément. C'est un mec. Du coup. Est-ce que Kirby peut... Bah, c'est loin quand même. Ça me paraît un peu loin. Qui fait le malin. Ah, sur la route, on va pouvoir le récupérer. Et on va du coup pouvoir aller voir ce qu'il y a par là. Alors. J'ai pas encore trouvé comment... ce qu'on pouvait faire avec ces... ces barils-là. Ok, c'est de nouveau une zone avec... des clones. J'imagine qu'on va devoir demander à Wake de faire ça. Ah, ça fait monter ça. Intéressant. Non. Ah, déjà, ce que je vois... C'est ça. Ah, ça l'a même pas cassé. Quoi, elle était pas assez proche. Casser les... Ok, je peux pas casser ça comme ça. On va un petit peu gaspiller des bouilloires. Alors, est-ce que...
et ça n'a rien fait non plus. J'avouerais que là, je vois juste pas. Parce que là, ça permet de la faire remonter. Je vois aussi qu'il y a une statue par là. Comment j'accède à cette statue? Il y a des monstres, ok, youpi. Quick. Je vais avoir besoin des givres là. Comment je fais descendre cette manivelle là? Battez-vous. J'en ai perdu en route. Petit paquet. Encore un paquet là. Hein. 6 sur 6. Je peux me renvoyer 2. Je peux me renvoyer 4. Ah, ils ont tous buté, sérieux. Je vais y arriver. C'est ça que je voulais faire. Allez, butez-les moi. Ah putain, en plus il y a ça. Oh là là. Donner un coup de pied dans celui-là, il est presque mort. Oui, arrêtez d'être content et allez vous battre. Cette zone, et allez vous battre. Butez-moi ce putain de truc. Ok. Il reste ici. Tout va bien. Donc on peut récupérer tout le monde. Et en plus il va faire nuit. C'est une arnaque. Je déteste cette nuit, j'ai pas le temps de réfléchir au puzzle. La nuit est déjà en train d'arriver. Ouais, là ça y est, la nuit là. Ah, ce fail, la nuit là. Moi je peux pas sauter en plus. Est-ce que je peux au moins avoir un petit endroit de lumière? Je suis pas très optimiste pour mes farfelins. Hein.
sont presque arrivés. Je me souviens plus s'il y a de la sécurité à ce niveau-là. Voilà, ça va déjà nous rapprocher. Je pense que c'est la dernière caisse. Le pont doit être utilisable maintenant. Vérifions ça. Je veux bien vérifier, mais... Ça fait un peu loin à patte, juste pour... Juste pour aller vérifier. Surtout en pleine nuit. Surtout que la lampe torche, on la tient pas. Je serais sûr de pouvoir avoir un chemin à peu près sécurisé, j'irai voir. Mais on va devoir attendre la nuit. Sachant qu'il y a des choses par là qu'on a vues et qu'on n'a pas été réussir à avoir. Mais je pense qu'on va faire ça. On va laisser passer tranquillement la nuit. Et ensuite, eh ben, tout simplement, on ira voir notre pont et notre artefact. Ouais, pas de sécurité par là. On va rester à l'abri de la lumière. Tout simplement. Mon inventaire commence à être un peu plein. Ouais. Faut que je refasse des bouilloires. Clairement. D'ailleurs... Faut que je reprenne un cochon. J'avais un cochon pour me protéger. J'ai dû prendre un coup pour éviter que un cochon permettait que ma thune ne tombe pas quand je me prends des coups. Je me suis pris un coup et j'ai pas remis de cochon dans mon inventaire. Faut que je fasse ça. Allez, petite nuit, passe, s'il te plaît. S'il te plaît. Sauvegarde, la journée va bientôt arriver. Allez. Jour, s'il te plaît. Ça devrait plus trop tarder. J'ai vu le coffre avoir un effet. Comme si peut-être on pouvait l'ouvrir que la nuit. On récupère tout le monde. Et du coup, ok.
Kirby devrait pouvoir nous activer ça. Ah bah oui, tout de suite, ça se passe mieux. Ah oui, carrément, ça nous ouvre un passage secret. Je pensais qu'on récupérerait l'artefact, et ben non, même pas en fait. On a une page de journal. On va éliminer un peu le jamais. Il y a un peu de loot, on va looter. Alors je vais faire tout ce qui est pas essentiel d'abord. Allez, ouvrez-moi le loot, ouvrez-moi les poubelles, récupérez-moi tout ça. Ce coffre. Effigie d'enfant. Un artefact représentant une poupée sculptée à partir de bâtons et enveloppée dans du tissu blanc. Le tissu est cousu au fil d'or comme s'il avait été déchiré dans l'ourchelet d'une robe. La poupée vibre d'une puissante énergie, comme si elle contenait beaucoup de tendresse et d'espoir. On en a trouvé un. Cool, plus que deux. Les enfants, félicitations pour avoir récupéré un des artefacts. Mais nous avons de nouveau ici au bosquet. Pourriez-vous venir? Et malheureusement, vous allez devoir passer par la porte principale. C'est en partie ce dont nous devons discuter, mais le téléporteur ici est pour le moment hors service. Ça ne me dit rien qui vaille, j'imagine qu'on va devoir faire tout le chemin à pied. Oui, bizarre, je me demande ce qui se passe. Peut-être au moins on peut se rapprocher en téléportant, non? C'est peut-être que juste le téléporteur du bosquet qui fonctionne pas. Effectivement, ça serait plutôt cool que ce soit que le téléporteur du bosquet qui fonctionne pas. Peut-être que quelqu'un. Je sens que je vais perdre des farfelins encore dans l'histoire. Ils ont l'air d'avoir été figés quand j'ai ouvert ces coffres. Oups. Mais tant pis pour moi. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Ça y est, on a enfin trouvé le premier artefact. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.